Allez, maintenant, on va passer à la liste des imports japonais qui sont compatibles sur les consoles françaises. Et au passage, je remercie l'équipe du forum de Cathodic Spirit qui ont travaillé sur cette liste, qui ont fait des recherches pour savoir quel titre était compatible ou pas sur la Xbox 360 en PAL, car il faut savoir que cette console est zonée, mais il y a quelques petites exceptions qui n'ont pas de, de zonage dans, dans le catalogue, et donc ça fait plaisir. Mais malheureusement, ça fait augmenter la demande sur, sur ces jeux, et jusqu'à présent, je n'ai pas encore réussi à trouver un seul de ces shoot'em up à prix décent. J'entends par là que j'aimerais ne pas dépenser plus de 30 euros dans un shoot'em up en import. Bon, sans compter les frais de port. Mais voilà, pour l'instant, de ce que j'ai pu voir sur eBay, on en est loin. Et du coup, je suis un peu dégoûté. Mais bon, voilà. On sait jamais, peut-être que dans quelques années, du coup, il y aura moins de demandes et que je pourrais, par chance, tomber sur un de ces titres à prix correct. En tout cas, voilà. Et aussi, dans cette liste, il faudra faire extrêmement attention aux versions que je vais vous présenter, car certaines versions sont compatibles et d'autres ne le sont pas. Donc voilà, faudra faire très attention lors de vos achats si jamais vous désirez vous procurer un de ces jeux shoot'em up. Le premier du coup, c'est Bullet Soul, sorti en 2011. Un jeu qui semble être ultra survolté. Il est vraiment ultra fluide et tout. Ça part dans tous les sens. Il y a pas mal de personnages différents que vous pouvez piloter. C'est un shoot'em up en scrolling vertical. Et il y a plein de systèmes d'attaques différentes et assez spectaculaires. En plus, j'ai envie de dire, en tout cas, quand on voit le trailer qu'on nous a balancé sur ce jeu, ça a l'air d'envoyer le pâté. Et c'est franchement un jeu que j'aimerais bien me faire un de ces quatre, du coup, si jamais j'arrive à le récupérer, bien évidemment. Et toujours en 2011 sort le Bullet Soul Infinite Burst. Et du coup, il est sorti juste 3 mois après le premier. Je sais pas pourquoi, ils étaient tellement pressés de sortir une version améliorée du premier Bullet Soul. Donc là, voilà, c'est vraiment comme l'ancien, sauf que c'est en mieux. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas le premier Bullet Soul, passez directement sur le Infinite Burst. Et franchement, ça va être l'éclate totale sur celui-là. Voilà. Ensuite, vous avez une compilation de deux shoot'em up dans la même boîte, du coup, qui est le Mushi Mushi Pork et le Pink Sweet. Donc ceux-là qui sont sortis en 2011 et qui sont tous deux dans un univers plutôt manga avec des héroïnes à forte poitrine en vedette sur les couvertures. Et du coup là vous pilotez un sorte d'avion, je sais pas trop exactement, les designs des véhicules sont assez particuliers à ces deux titres. Vous êtes du coup en scrolling vertical et du coup bah comme la plupart des manic shooters, ça tire dans tous les sens, c'est la folie. Donc voilà, je pense que avec cette compilation vous allez vous régaler encore une fois. Mais voilà, après du coup au niveau des prix, moi ce que j'ai pu voir sur internet, c'est assez cher. J'ai pas envie de vous dire exactement, je vous invite à chercher par vous-même. Mais voilà, moi je trouve que c'est assez hardcore au niveau des prix. Mais bon, voilà, je me dis que au final, ça les vaut peut-être pour ceux qui sont vraiment passionnés à mort des shoot'em up. Ce genre de jeu-là, ça ne les dérangerait pas de mettre autant.
Moi, j'adore ça, mais voilà, c'est pas non plus ma priorité à l'heure actuelle, étant donné que j'ai beaucoup d'autres jeux qui m'attendent et à des prix beaucoup plus abordables pour moi. Ensuite, le prochain que je vais vous présenter, il a l'air vraiment ultra dingue, c'est le S-Chatos. Alors attention, en version Wonder Price, donc je ne suis pas sûr que la version standard soit compatible. En tout cas, bah, sur Cathodic Spirit, ils m'ont dit que c'était la version Wonder Price, donc il faudra confirmer. Il y a également une autre version en compilation avec Ginga Force, donc ça aussi, ce sera à confirmer. Moi en tout cas je ne sais que pour la version Wonder Price. Et du coup celui-là il a un gameplay complètement renversant. Du coup l'angle de caméra peut changer à tout moment quand vous progressez dans les niveaux. C'est assez dingue. Soit vous passez d'un simple scrolling vertical à un scrolling en perspective où vous voyez un petit peu plus loin à l'horizon de l'écran, ou alors c'est carrément le background, enfin le fond derrière qui va pivoter comme ça sous votre vaisseau. Je trouve les mouvements de caméra sont plutôt renversants dans celui-là, et donc je tenais à le souligner. Et donc là du coup vous pilotez un vaisseau et vous devez tuer tous les vaisseaux aliens qui se trouvent sur l'écran. C'est plutôt cool, franchement. Franchement, moi, en tout cas, de ce que j'ai pu voir de ce jeu, ça a l'air assez dingue et j'ai vraiment extrêmement envie d'y jouer. Mais donc voilà, bon, j'espère aussi pour celui-là que je réussirai à tomber sur une version à bon prix et qui soit compatible du coup avec ma console PAL. Ensuite, le prochain, c'est ESP Galuda 2, donc qui était sorti initialement sur borne d'arcade en 2005 et du coup qui est ressorti dans une version HD avec des musiques différentes sur Xbox 360 uniquement au Japon en 2010. Mais du coup, pour ceux que ça intéresse, il y a une version Nintendo Switch qui est sortie vraiment tout récemment, en septembre de cette année 2021. Alors ce jeu, c'est plus qu'un enfer de balles, c'est une symphonie carrément. C'est un truc de dingue comment les balles dansent sur l'écran et vous essayez de les esquiver tant bien que mal. C'est franchement, c'est ultra beau à voir. Mais à vivre, en tout cas, manette en main, c'est vraiment un pur régal pour les fans du genre. Franchement, c'est vraiment le jeu à faire si vous êtes vraiment fan de Manic Shooter. Il est vraiment incroyable celui-là et je suis sûr qu'il vous plaira à mort. Ensuite, un autre titre assez dingue, Mushihime-sama, qui est sorti sur borne d'arcade en 2004 et qui a été porté ensuite sur PS2 en 2005, puis plus tard sur Xbox 360 en 2012. Et puis après, vous avez la suite Mushihime-sama Futari, mais qui lui n'est pas présent sur cette liste compatible en console PAL, mais bon, je vous le dis quand même pour info, qui lui est sorti sur arcade en 2006, et qui après est ressorti sur Xbox 360 en 2009. Donc c'est assez drôle du coup que la suite a été portée sur Xbox 360 3 ans avant l'original. Et pour finir, il y a eu une version Steam qui elle est parue en 2015 pour PC. Alors ce jeu dans le genre, il ressemble assez à Dodonpachi, je trouve. Du coup vous incarnez un vaisseau, vous êtes en scrolling vertical et vous tirez sur tout ce qui bouge, et franchement c'est très très satisfaisant. Du coup les explosions des ennemis et tout, vous avez des boss impressionnants et tout qui vous envoient des salves de balles et tout dans la gueule. Franchement super cool ce jeu là. Et donc voilà, que dire de plus, encore un Manic Shooter qu'il faut faire si vous êtes fan du genre, quoi. Ensuite, vous avez le jeu Shooting Love, sorti en 2009. Alors du coup, sur le forum de Cathodic Spirit, dans leur liste, ils n'ont pas précisé quelle version,
Mais moi, je suppose que, en tout cas, la plus populaire, selon moi, c'est la version 200X. Mais il faut savoir quand même qu'il y a 4 versions sur Xbox 360 en import japonais de ce Shooting Love. Vous avez la 200X, vous avez la collection, vous avez la Shooting Love 10 Shunen, donc qui prend le X de 2 îles et le Trizil, si je me souviens bien, si je l'ai bien prononcé. Alors celle-là d'ailleurs, elle a deux versions. Il y a l'édition first edition ou Day One, premier jour comme vous voulez, et il y a aussi l'édition standard. Donc voilà, ça vous fait 4 versions différentes de ce Shooting Love pour ceux qui ont la collectionnite aiguë et qui voudraient essayer de tous les récupérer. Et alors ce Shooting Love, il semble plutôt classique en apparence. Vous avez un scrolling vertical, vous pilotez un petit vaisseau, vous pouvez jouer en coopération, donc ça c'est plutôt cool. Et puis encore une fois, vous avez plusieurs vaisseaux différents, donc qui font varier le gameplay en fonction du système de tir que vous sélectionnez à la base. Mais en plus d'avoir des ennemis à l'écran, vous allez devoir faire face à des éléments du décor qui vont faire un peu office d'obstacle, qu'il va falloir soit détruire, soit esquiver. Donc ce qui rend le jeu un petit peu plus difficile et qui lui permet de se démarquer des autres shoot'em. Allez, et le dernier de cette liste de jeux en import japonais compatible sur console française, c'est Ginga Force, donc sorti en 2013 sur Xbox 360 et PS4. Quel dommage qu'il ne soit pas ressorti sur Xbox One, ça m'aurait fait plaisir pour la collection, mais tant pis. Et du coup, celui-là, il est quand même très 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 sympa. Il est du coup développé et édité par les mêmes qui ont fait S-Chatos, donc Cute. Et du coup, celui-là, en fait, vous avez des systèmes de tirs principaux et secondaires pour chaque vaisseau qui sont assignés à une barre de puissance, du coup, qui va du coup diminuer en fonction de l'utilisation ou pas de vos tirs. Et du coup, ça va agir du coup sur la puissance du tir, si jamais elles sont trop basses ou pas. Donc faut essayer de les utiliser avec stratégie du coup pour venir à bout des ennemis les plus coriaces. Et aussi du coup, les combats de boss, qu'est-ce qu'ils sont épiques, et ça change de l'ordinaire. Il y a pas mal de variétés dans ce jeu là et je trouve ultra intéressant. Franchement, Cut, ils font vraiment de l'excellent travail. Donc avec S-Chateau, c'est ce Ginga Force, c'est vraiment deux jeux qui m'intéressent le plus, en tout cas dans cette sélection de jeux que je vous ai faite. Et du coup, j'espère que ça vous fera plaisir ce partage, et peut-être qu'il y a certains jeux que vous ne connaissiez pas dans ceux que j'ai cités en import japonais. Et ce n'est pas tout. Avant de se quitter, on a failli oublier un dernier jeu ajouté à cette liste de jeux compatibles avec les consoles PAL, c'est bien sûr le Dodonpachi Sadayuju, qui est en vérité, pour ceux qui ne le savent pas, le deuxième jeu Dodonpachi sorti sur Xbox 360, donc en 2013. Et du coup, le premier était le Dodonpachi Daifukatsu, qui a été nommé pour la version européenne Dodonpachi Resurrection. Voilà, et donc du coup, voici la jaquette du Sadayuju. Alors du coup, il faut faire attention, il y a plusieurs versions encore pour celui-ci. Alors c'est celle avec la jaquette toute blanche. Il y a aussi une jaquette classique dans le même style. Celles-ci, elles sont en free zone. Il y a également le CD. Moi, j'ai celui de la grosse compilation collector de tous les shmups de Cave.
Mais du coup, la version 1.5 de Sadayuchu, je ne suis pas sûr si elle est compatible FreeZone. Donc, faudra voir avec quelqu'un d'autre s'il pourrait nous confirmer ça, le vérifier. Moi, je ne le possède pas encore pour l'instant, donc je peux pas vous dire. Et sinon, pour vous dire mon avis dessus, franchement, il est juste incroyable ce Dodonpachi Sadayuchu. J'ai vachement kiffé. Alors, du coup, faut aimer le style épileptique et tout, parce que les couleurs sont vachement criardes là-dessus. Ça pète de partout, il y a des explosions, c'est juste incroyable. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je kiffe. La musique aussi est super cool. T'as l'électro qui tabasse avec des petits vibes rock'n'roll. C'est vachement classe. Et du coup, tu peux jouer aussi en coop. Donc, c'est du shoot'em up en scrolling vertical. Et t'as des montagnes de balles là-dedans. C'est juste hallucinant. T'as un level pas possible dessus. Donc dans le genre shmup, il est quand même assez ardu celui-là. Et aussi un petit truc, ça dépend aussi de chacun, mais il est vachement verbeux, du coup le jeu, donc vous êtes prévenus, du coup ça pourrait peut-être vous agacer à force, parce qu'ils font tout le temps que de parler dans le jeu. Moi après j'aime bien les voix japonaises qui parlent comme ça, ça met direct dans le feu de l'action. Donc après voilà, c'est chacun ses goûts. Si jamais vous avez déjà testé le premier Dodonpachi que vous avez adoré, alors celui-là il est encore mieux quoi. Franchement, allez-y quoi, vous allez vous régaler. Voilà, du coup j'espère que ça vous a plu, cette sélection de shmup en région FreeZone. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai mis pas mal de temps à faire cette vidéo, j'étais pas hyper motivé. Mais bon voilà, et peut-être que j'ai dit quelques erreurs aussi dans la vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Allez, ciao ciao tout le monde, amusez-vous bien sur au jeu. ありはしない。